J'ai décidé d'installer un composteur de quartier, un composteur collectif, dans le Vieux Lyon, en plein centre UNESCO de la ville, un lieu touristique de passage, mais aussi un lieu de vie avec une vraie vie de quartier. On dit qu'on fait vraiment de l'accompagnement en fait, l'accompagnement des initiatives citoyennes autour du compostage. Ce qui est intéressant aussi sur le projet du Vieux Lyon, c'est qu'on a essayé du coup d'y associer des restaurateurs, puisqu'on est sur un secteur très touristique avec beaucoup de restauration privée. Il y a vraiment des enjeux en termes de réduction des déchets. Et nous, on pense vraiment que le compostage peut être une des solutions. En plus, on insiste aussi beaucoup autour du cycle de la matière organique. On est assez déconnecté de la nature, en ville, en plein centre-ville d'autant plus. Faire comprendre aux gens que c'est ce qu'ils considèrent comme des déchets, en fait, c'est une matière qui est valorisable, qui peut être ensuite un amendement pour nos sols. S'ils compostent, qu'ils prennent la peine d'amener leurs épluchures, ils vont pouvoir récupérer un bon terreau qu'ils vont pouvoir utiliser. Ils n'auront plus besoin d'aller acheter du terreau. Les choses vont se faire et ils n'auront plus besoin de vider leurs déchets dans leurs poubelles. Et on n'aura plus besoin de ramener des poubelles très lourdes jusqu'à des incinérateurs. Puis derrière, il y a la responsabilisation aussi des citoyens vis-à-vis de leur production de déchets. Les gens se rendent mieux compte de ce qu'ils jettent. C'est vrai que c'est assez facile de mettre son sac poubelle dans une poubelle et dans la rue qui va être emportée. Souvent, on sait même pas, les gens ne sont pas conscients que tout ça va être brûlé. Enfin, une partie, mais tout le monde n'est pas forcément conscient de ça, des tonnages que ça implique. Donc là, il y a ça aussi, les gens vont se rendre compte de ce que ça représente en termes de quantité, de volume. Qu'en même temps, en retirant ces déchets-là de leur poubelle, déjà l'autre poubelle, la poubelle résiduelle, va s'emplir beaucoup moins vite, mais il n'y aura plus de problème d'odeur, etc. Donc voilà, c'est aussi tout là-dessus qu'on travaille. Je travaille en cuisine et je recycle en place entre deux Lyon. Et puis je pense que on peut aussi bien le faire en ville qu'à la campagne. Et pourquoi pas en ville? Et ça marche. Les gens ont pris l'habitude de composter. Au départ, c'était beaucoup que les amapeurs. Et maintenant, ça s'inverse. Je dirais qu'il y a la moitié des amapeurs qui le faisaient, qui continuent de le faire, mais il y a au moins autant d'habitants du quartier qui le font. Et puis, commence à y avoir un restaurateur, deux restaurateurs qui s'intéressent à la démarche et ça commence à prendre. Je leur ai transmis non seulement l'idée de composter, mais l'idée d'avoir des idées et de s'approprier de le faire. Voilà. Et ça, c'est énorme. C'est quelque chose de très positif, c'est que ça va faire se parler les gens. Et, les premiers temps, ils sont effarouchés et puis la curiosité l'emporte et puis ils parlent. Parce que ça, c'est humain de se parler et du coup, ils comprennent et ils ont le déclic et voilà. Et donc, la démarche, elle aboutit grâce à ça. Au-delà de faire du compost, c'est aussi que les gens, du coup, par ce biais-là, se rencontrent, fassent des projets collectivement, qu'il y ait des échanges intergénérationnels. Nous, au jardin, on fonctionne en autonomie et jamais on va acheter un sac de terreau. Enfin, ou alors c'est exceptionnel, quoi. Le terreau, c'est la vie, c'est le cycle de la nature. Donc c'est fondamental. De toute façon, c'est vital même. Moi, au quotidien, je trouve ça intéressant de me lever tous les matins en me disant que mon travail, ça consiste à accompagner du coup des gens comme ça qui souhaitent composter et du coup valoriser une partie de leurs déchets. C'est très bien aussi cette démarche de montrer aux gens l'importance de la nature et la puissance de la nature à recycler nos déchets. Et quand ça marche, c'est encore mieux et on est super content. Les sites qu'on installe, c'est vraiment basé sur de l'apport volontaire.
Contrairement par exemple au tri, souvent les gens nous diront non mais de toute façon c'est un secteur où les gens trient très mal donc ils vont pas composter. En fait c'est assez différent parce que c'est vrai que la poubelle de tri on nous l'a mis, on nous a dit voilà maintenant vous avez deux poubelles, il faut trier. Là le compost on propose aux gens de le faire en leur expliquant comment ça marche. Il faut vraiment qu'on sente une mobilisation et une envie des habitants, ce qui était le cas là sur ce secteur là. Classiquement dans un site de compostage collectif, on va pas utiliser, on va pas mettre n'importe quoi. Croquetique, qui distribue des paniers à MAP à la MJC. On a proposé aux gens qui venaient chercher leurs paniers toutes les semaines de ramener en même temps leurs épluchures dans un seau qu'on leur a fourni. Et le projet a démarré comme ça. Toutes les semaines, les gens ramenaient leurs seaux en venant chercher leurs paniers. On a fourni un conteneur qu'on a mis dans une brouette. Il vidait et toutes les semaines, le conteneur était vraiment plein. Et nous, après, on le remontait à notre jardin. C'est comme ça que ça a démarré. Là, maintenant, il y a un bon groupe qui pilote ça en faisant tous les jeudis soirs une permanence quand même d'une heure. Donc, il y a des gens qui viennent tous les... Alors, il y a des tours de rôle, on s'organise, c'est du bouche à oreille, voilà. Pour que la démarche soit en même temps que je composte, qu'il y ait un échange, une participation, pouvoir se connaître. Et puis, les gens ne sont pas encore vraiment dans les bonnes pratiques et ils ont besoin d'une passation de la pratique. Ils sont demandeurs de ça. Comment on fait, qu'est-ce qui se passe. Les permanences servent aussi à ça. C'est un moment où on va rebrasser un peu le tas sur une hauteur de four sur 30-40 cm pour s'assurer que les déchets ne se soient pas trop tassés et qu'on n'ait pas des endroits où il n'y ait plus d'oxygène et où là, en fait, on va se créer de la fermentation anaérobie et donc des mauvaises odeurs. Ce qu'on veut éviter, bien sûr, surtout quand on est dans un centre-ville hyper dense où on n'a pas le droit à l'erreur et à l'apparition d'odeurs. Aujourd'hui, on est accueillis par le restaurant Café du Soleil, qui est un des restaurants qui composent. Donc, dans leur cuisine, ils ont rajouté un seau pour collecter du coup leurs déchets organiques frais, qu'ils vont ramener du coup sur le site de compostage. Alors, pour que ce soit un petit peu plus facile pour eux et qu'ils soient en autonomie, eux, ils ont la clé du composteur, donc ils peuvent y aller quand ils le souhaitent. Surtout qu'ils vont avoir des quantités bien plus importantes qu'un foyer classique. Donc voilà, eux aussi ont été formés au mélange de matières, donc ils ramènent leur épluchures et puis ils vont mélanger avec le broyat de bois, la matière sèche, pour faire un compost qui soit bien équilibré. À terme, on va avoir un composteur qui va se remplir, on va dire, tous les 6 mois par là. Et puis après, on utilise le deuxième bac et là, on laisse mûrir le compost et puis on le récolte au bout de quelques mois, selon la rapidité du compostage. On a fait préparer le composteur par une association de réinsertion qui nous ont fait un composteur pré-monté. Et on a organisé une journée tous ensemble sur le terrain pour l'assembler, le mettre en place voilà, tous ensemble. Il est construit en bois, il a un look de petit chalet, mais il s'intègre dans le lieu parce qu'il est quand même discret, il est derrière une haie. Il y a deux caissons disons d'un mètre carré avec un petit toit en pente. Qui peut s'ouvrir comme ça. Les planches peuvent s'enlever s'il y a besoin d'aller travailler. On a mis à côté deux petits bacs où on a de la sciure ou des copeaux de bois qu'on les remplit régulièrement. On travaille avec un ébéniste qui est sur le Vieux Lyon aussi et qui nous donne des sacs de sciure régulièrement qu'on récupère donc pour pouvoir faire l'apport de matière carbonée dans le compost. Et puis à côté, on a ajouté un banc pour que les gens puissent s'asseoir et discuter quand ils viennent composter. Notre idée, c'est une ouverture ponctuelle. En fait, c'est un petit groupe d'amis au départ qui
voilà, qui avaient tous vécu à la campagne, composté quand ils étaient jeunes, qui sont arrivés en ville pour leurs études et qui se sont dit que c'était quand même dommage de jeter tous ces déchets à la poubelle, qui se sont un peu renseignés, qui sont allés voir ce qui se faisait à Chambéry Métropole, puisque Chambéry Métropole, c'était une initiative de l'agglo de mettre en place le compostage partagé. Qui sont allés se renseigner, qui ont vu que c'était possible, qu'en fait on pouvait composter partout à partir du moment où il y avait une motivation et une envie des habitants. Je suis dans une association qui a un jardin partagé, qui s'appelle Les Terrasses, qui est dans la montée du Chemin Neuf, et qui composte depuis plusieurs années. Et on avait envie d'ouvrir notre lieu comme composteur collectif, composteur de quartier. Et puis, en parallèle de ça, la MJC qui est juste en dessous, avec qui on a pas mal de liens, eux, ils travaillaient sur l'aspect recyclage, récupération des déchets et compostage aussi. Et on s'était, donc on a discuté, comme on se rencontre toutes les semaines, pour voir si on pouvait pas avoir une démarche commune. Donc l'idée de créer un composteur de quartier est née comme ça. Et puis bon, on connaissait les compostiers, puisque nous, on les avait fait intervenir dans notre jardin pour nous apprendre à composter il y a plusieurs années. C'est comme ça que les liens se sont faits, et nous, on les a contactés aussi pour voir comment fallait procéder. Il y a beaucoup de restaurateurs maintenant qui n'ont plus de déchets, d'épluchures, etc. Ils achètent des choses toutes prêtes, et leurs déchets, la poubelle d'un restaurateur, souvent, de certains restaurateurs, hein, parce qu'il y en a qui font quand même une bonne cuisine de qualité avec des légumes qu'ils épluchent eux-mêmes, etc. Ça existe encore. Mais il y en a beaucoup, c'est des sacs plastiques et des emballages en polystyrène. Hein. Ça, c'est le gros de la poubelle d'un restaurateur de nos jours. C'est pas récupérable dans un composteur parce que c'est du plastique. Avoir des conteneurs 24-24, oui, ça marche, mais derrière, il faut quand même regarder ce qu'il y a régulièrement. Les choses se décomposent petit à petit et ce qui ne peut pas se décomposer ne peut pas se décomposer, quoi qu'il arrive. Donc une canette qui aura été mise dedans par malveillance ou par méconnaissance, elle va rester et il faudra aller l'enlever manuellement. Donc on peut pas. On n'a pas de moyens. Après, c'est vrai qu'on, du coup, il y a besoin, et pour notre activité aussi, d'un vrai soutien de la collectivité. Parce que c'est vrai que sans la collectivité, on peut difficilement faire des choses, hein, pour installer des sites. De toute façon, c'est des espaces en général publics, que ce soit Grand Lyon ou Ville ou d'autres, ou même bailleurs sociaux. Donc on a quand même besoin qu'ils répondent positivement aussi à ce qu'on essaye d'engager. Le composteur doit être construit par les gens qui vont composter. Ça, c'est très important parce que c'est leur composteur. C'est à eux, c'est leur objet pour fonctionner sur le recyclage de leurs déchets. Il faut du coup un autre contenant pour séparer les déchets organiques. Alors vous allez pouvoir trouver toute une série de ce qu'on appelle bio-seaux dans les jardineries, sur internet, etc. Tout simplement aussi, vous pouvez aller voir le restaurant à côté de chez vous qui a souvent des gros pots de 3-5 litres de crème fraîche, etc. Et faire de la récupération, utiliser ce seau-là qui en fait est pratique parce qu'ils peuvent bien se fermer hermétiquement. Ça, c'est important, surtout en été, pour éviter d'attirer les moucherons. Parce qu'ils vont être du coup attirés par tout ce qui est sucré. Si vous avez des restes de fruits, etc., ils vont aller pondre dedans. Et ça, vous pouvez avoir des petites nuisances comme ça et attirer des moucherons. Donc un seau qui se ferme bien hermétiquement. Une feuille de journal au fond pour récupérer un peu les jus qui pourraient s'écouler. Et puis aller régulièrement jeter votre seau au compost. Sur des sites de compostage collectif, comme on a des grosses quantités d'épluchures qui vont arriver sur des matières très riches en azote, il faut l'équilibrer avec du carbone. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est une matière structurante type du broyat de bois. Et du coup, structurer le tas permet qu'il y ait des poches d'oxygène dans le tas et que le compost du coup se fasse bien. Dans un jardin, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir accès à ce broyat, mais par contre, vous avez souvent des déchets de jardin, vous pouvez y mettre de la feuille, tout ce qui est matière sèche, ou on dit brune aussi, ou dure.
feuilles ou même si vous avez des petits branchages que vous redécoupez et que vous ajoutez à vos épluchures. Et il faut aussi régulièrement aussi une action de brassage. C'est un geste simple, il suffit d'être un petit peu organisé et puis voilà. L'idée à terme, c'est d'avoir plusieurs moments avec des ouvertures qui correspondent aux différents types de fonctionnement des gens. S'il y a des gens qui disent et qui viennent et qui disent oui, moi j'aimerais bien composter, mais là à ce moment-là, ça me va pas, je suis jamais là, j'aimerais mieux le samedi matin ou je sais pas, le mercredi, bref, et ben on va leur dire oui, ok, mais il n'y a pas de problème, mais mobilisez-vous et montez un deuxième groupe